À tous et à toutes, et bienvenue donc sur ma chaîne pour un petit moment de lecture comme on a pris l'habitude avec l'Odyssée. Donc aujourd'hui on va pas du tout lire l'Odyssée, mais notre première lecture va être un peu liée à tout ce qui est mythologie grecque. Nous allons lire des contes parce que c'est ce qui m'a été demandé. La dernière fois je vous avais demandé de me donner des idées de lecture et donc on m'a demandé de lire des contes. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc ce livre-là, j'ai déjà utilisé dans le live des nuits de la lecture de Books Critique. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur sa chaîne YouTube et à regarder ses vidéos qui sont vraiment très cool. Donc je l'avais déjà utilisé, j'avais lu Le Conte des 12 Princesses qui est mon conte préféré. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai depuis très 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 longtemps et dont je n'avais pas relu les contes depuis très longtemps. Donc là, ça va être comment dire, une redécouverte en même temps. Et donc je vais vous lire ces contes et merveilles, contes des monts et merveilles, pardon. C'est l'adaptation française de Marie-Josée Lamorlette. Et on va en lire trois de ceux-là, donc Eros et Psyché. Alors je dis Psyché, des fois je veux dire Psyché, je suis désolée. Lisa, d'un des Tolstoï, pas celui qu'on connaît tous. Et enfin, Les Sept Corneilles, d'un auteur dont je n'oserais pas prononcer le nom, parce que les accents me semblent un peu dangereux. Donc voilà, je vais vous laisser lire. Ici, voilà. Et donc Eros et Psyché, Psyché, c'est de Apuli. On va commencer. Vous pouvez vous installer, prendre un petit plaid, une petite boisson. Moi, j'ai mon eau à côté pour éviter de m'étouffer comme la dernière fois. Et donc, on commence. Alors, ce que j'adore dans ce livre surtout, c'est que c'est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, on a Eros et Psyché. Et on a des illustrations vraiment magnifiques dans le livre. Donc voilà, c'est vraiment cool. Bonjour à ceux et celles qui me regardent. Donc, on commence de suite. Faut que je me décide d'une façon de dire. Donc je crois que je vais lire Psyché. D'accord? Je vais lire Psyché parce que sinon ça va pas le faire. Alors. Eros et Psyché. Au commencement des temps, il y avait dans une certaine ville un roi et une reine dont les trois filles étaient toutes trois d'une grande beauté. La plus jeune, Psyché, était encore plus belle que ses sœurs. Aussi les admirateurs s'empressaient-ils auprès d'elle de tous les coins de la terre. L'affaire vint aux oreilles d'Aphrodite en personne et enflamma sa jalousie. Comment? Elle, une déesse, moins admirée qu'une simple mortelle? Elle ordonna donc à son fils Eros, le dieu de l'amour, de tirer ses flèches de façon à rendre Psyché éprise d'un vieillard repoussant, méchant et pauvre. Cette fille va regretter d'être aussi belle, déclara-t-elle d'une voix hargneuse. Mais lorsqu'elle désigna la princesse à Eros, celui-ci l'aima aussitôt, et il oublia les ordres de sa mère. En fait, Psyché regrettait déjà sa beauté. Mais pour une raison dont Aphrodite était loin de se douter. On la comblait de cadeaux, elle était entourée jour et nuit par une troupe de jeunes filles attentives à ses moindres désirs, mais aucun de ses admirateurs ne la traitait comme une personne ordinaire. Ils la trouvaient tous trop belle pour songer à la demander en mariage et pour vouloir fonder une famille avec elle. Mise sur un piédestal, comme une idole, elle passait le plus clair de son temps à se morfondre et à maudire cette beauté que tant de monde vénérait. Le roi, son père, ne pouvant comprendre ce qu'elle ressentait, crut à une défaveur des dieux. Il demanda à un oracle de lui prédire ce que serait le mariage de Psyché. Selon la coutume, la prophétie était impossible à déchiffrer clairement. Elle disait: Placez votre fille au sommet d'une falaise. Donnez-lui des vêtements de deuil en guise de tenue de noces. Votre gendre ne sera pas un mortel, mais une créature indomptée volant dans les airs, décochant des tirs enflammés sur les humains et détruisant toutes les habitudes. Le roi en conclut que sa fille était destinée à épouser un terrible dragon ou quelque monstre de ce genre,
Aussi, les préparatifs du mariage eurent-ils lieu en larmes. Quand le jour fut venu, on conduisit la princesse tout en haut d'une abrupte falaise et on l'y laissa seule. Elle regarda autour d'elle en sanglotant, croyant sa dernière heure arrivée. Mais une brise descendit du ciel, s'engouffra dans sa tunique et l'emporta dans les airs, pour la déposer délicatement au pied de la montagne sur un carré d'herbe piqueté de fleurs. Elle se mit à marcher et parvint bientôt devant un palais magnifique, caché dans la fraîcheur d'un bosquet, si beau qu'il semblait être d'or. Non, si beau qu'il semblait être l'œuvre des dieux. Les plafonds incrustés d'ivoire étaient supportés par des piliers d'or. Sur les murs s'alignaient des animaux sauvages sculptés dans de l'argent. Pas des vrais animaux, mais ils sont sculptés. Quant au sol, il était fait de pierres précieuses d'un bout à l'autre. Tandis que Psyché contemplait tout ceci avec stupeur, elle entendit soudain une voix qui semblait venir de nulle part. « Tout ici est à vous, maîtresse, et nous-mêmes, esprits invisibles, sommes à votre service. Vous pouvez aller vous baigner, après quoi nous vous servirons à manger. » Lorsque Psyché se mit à table, elle eut l'impression que plats et boissons lui étaient apportés par de doux zéphyrs. Ensuite, les serviteurs invisibles jouèrent du luth et chantèrent doucement jusqu'à l'heure de son coucher. Quand la jeune fille fut endormie, Eros s'approcha sans bruit de son chevet. Il l'embrassa et s'entretint avec elle toute la nuit, mais il disparut dès les premières lueurs de l'aube et ne revint que le soir suivant. Ils vécurent ainsi un certain temps, ne se rencontrant que dans l'obscurité. Psyché ne connaissait que la voix de son visiteur, mais elle l'aimait et attendait toujours avec impatience sa venue. Une nuit, elle demanda à son mystérieux fiancé la permission d'inviter ses sœurs. Chez elle, sans doute, tout le monde la croyait morte, ou du moins très malheureuse. Il accepta et dit à Psyché de leur offrir tout ce qu'elle pourrait souhaiter. Simplement, si elle se montrait curieuse et demandait à quoi il ressemblait, la jeune fille ne devait rien leur dévoiler. Le lendemain, justement, les sœurs de Psyché se rendirent au bord de la falaise où elle l'avait laissée. Elles l'appelèrent, se lamentèrent, se demandant pour la millième fois ce qu'il était advenu de leur sœur chérie. Dès que Psyché les entendit, elle ordonna à ses serviteurs les vents de les transporter au bas de la falaise et de les amener jusqu'à elle. Elle leur fit visiter son palais, leur montra les splendeurs contenues dans toutes les pièces. Sur sa demande, les serviteurs invisibles apportèrent aux deux sœurs de riches présents et tout ce qu'elles pouvaient désirer à boire ou à manger. Tant de luxe les ébahit, bien sûr, et l'envie ne tarda pas à entrer dans leur cœur, les rendant aveugles et sourdes à tout le reste. Comme leur jeune sœur vivait magnifiquement, tandis qu'elle n'avait fait que des mariages ordinaires, le destin s'était montré trop bon avec Psyché. Il fallait qu'elle en soit punie. Perfidement, elles lui demandèrent. « Chère sœur, connaîtrons-nous ton fiancé ?» Quelle ne fut pas leur joie quand, après beaucoup d'insistance de leur part, Psyché dut admettre qu'elle n'avait jamais vu son visage. Elles ajoutèrent « Nos parents et nous-mêmes avons la certitude qu'il s'agit d'un dragon redoutable, d'un terrible monstre qui vole jusqu'ici la nuit venue et qui s'introduit dans le palais sous une forme humaine. Des voisins l'ont vu et nous l'ont raconté. Mais le pire !» Le pire, c'est qu'il attend son heure pour te dévorer. » Ces mots emplirent Psyché de confusion. Au fond de son cœur, elle se dit que ses sœurs devaient avoir raison. Après tout, pourquoi son fiancé ne lui avait-il jamais permis de voir son visage? Pourquoi se cachait-il? Les deux autres reprirent. « La seule chance pour toi de sauver ta vie et celle de l'enfant que tu portes est de tuer le monstre. » Ouais, parce qu'apparemment elle est enceinte du coup. « Nous t'avons apporté ce poignard. Prépare une lampe à huile, recouvre-la d'un tissu noir. Lorsqu'il dormira profondément, ôte l'étoffe et coupe-lui la tête. » Sur ce, elles quittèrent en hâte la malheureuse Psyché. Celle-ci oscillait douloureusement entre l'envie de croire ce que ses sœurs lui avaient dit et son amour pour son amie. Elle finit pourtant par cacher le poignard sous son oreiller. Puis, elle porta une lampe dans la chambre à coucher et la recouvrit d'une étoffe sombre. Quand son fiancé fut endormi, elle tira le tissu et vit pour la première fois qui il était. Elle ne put en croire ses yeux. Jamais de toute sa vie, elle n'avait contemplé un jeune homme aussi beau. D'épaisses boucles blondes auréolaient son front. Sa peau était très blanchée, sur ses épaules,
étincelaient des ailes d'oiseaux qui semblaient recouvertes de poudre d'or. Il avait déposé au pied du lit un arc et des flèches dans un carquois. Ce fut à cela que Psyché le reconnut. Elle prit une flèche, en essaya la pointe sur son doigt et se piqua légèrement. Quelques gouttes de sang perlèrent. C'est ainsi qu'elle se lia elle-même, de son propre gré, au dieu de l'amour. Incapable de réfréner sa curiosité, elle leva la lampe pour mieux voir son visage. Une goutte d'huile brûlante tomba alors sur la main droite d'Eros, qui s'éveilla en sursaut et se mit sur son séant. Quand il comprit que Psyché lui avait désobéi, il quitta le palais en courant et alla se percher sur un cyprès d'où il lui cria. Je bois avant de crier. Tu as donc voulu me tuer, simplement parce que tes deux méchantes sœurs t'ont dit de le faire? Tu as voulu me tuer, moi qui ai désobéi pour toi aux ordres de ma mère, moi qui ai refusé de te frapper de mes flèches pour te rendre éprise d'un horrible vieillard. Je ne veux plus jamais te revoir. Il se lança très haut dans les airs et disparut. Psyché voulut s'élancer à sa suite, mais quand elle ne le vit plus, elle se jeta dans une rivière pour s'y noyer. Là, par respect pour le dieu de l'amour, les eaux formèrent un tourbillon qui rejeta la princesse sur la rive. Elle fut découverte par Pan, dieu aux pieds de chèvre, qui avait entraîné une nymphe à l'écart pour lui faire la cour. Dès qu'il aperçut Psyché, il l'aida à se relever et lui dit « Ma chère, je sais pas ce que je lui fais comme voix à Pan. Ma chère, je ne suis que le dieu de la campagne et des bergers, mais je vois bien que l'amour vous tourmente. Écoutez-moi, au lieu de vous jeter n'importe où pour vous tuer, allez plutôt trouver Eros et inclinez-vous devant lui. Eh oui, il faut se faire pardonner dans la vie, plutôt que d'essayer de se jeter dans les fleuves. » Psyché se mit donc en chemin. Après un long voyage, elle arriva dans la ville gouvernée par le mari de sa sœur aînée, la première méchante. Celle-ci l'interrogea et, quand elle apprit que le fiancé mystérieux était Eros en personne, elle alla tout de suite se poster sur la falaise où Psyché avait été conduite. Elle cria « Viens me prendre, Eros, je suis une femme digne de toi. Et vous, doux Zéphyr, portez-moi jusqu'en bas. » Elle se jeta la première dans le vide. Mais la brise ne l'écouta pas, et elle se fracassa sur les rochers. Alors, Psyché alla trouver sa deuxième sœur, et se plaignit à elle qu'Eros l'avait quittée. Quand la sœur apprit l'histoire, elle courut vers la falaise et connut le même sort que la première. Psyché s'élança le long de sentiers inconnus, désespérée d'être séparée de celui qu'elle aimait, désireuse de se réconcilier avec lui, pleurant à chaudes larmes. Elle atteignit enfin la demeure d'Aphrodite et tomba à genoux devant la déesse. Celle-ci eut un rire moqueur. « Ainsi, tu as enfin trouvé ta victime en la personne de mon propre fils, qui se tord de douleur parce que tu as renversé sur lui de l'huile bouillante. Mais tu ne l'auras pas. Quitte cette maison. Ou plutôt, avant de partir pour toujours, accomplis les deux épreuves que je vais t'indiquer. » Elle empoigna Psyché par les cheveux et la traîna jusqu'à un endroit qui surplombait la maison. « Vois-tu ce bosquet là-bas, avec ses moutons qui paissent sans surveillance? Leur toison à l'éclat de l'or. D'ici ce soir, je veux que tu me ramènes une poignée de leur précieuse laine. » Psyché partit aussitôt. Avant midi, elle atteignit une rivière. Les roseaux lui murmurèrent. « Ne t'approche pas des moutons maintenant, car à cette heure, le soleil les rend aussi hargneux que des chiens méchants. Tu n'en reviendrais pas vivante. » Attends qu'ils aient quitté le pâturage. Psyché attendit donc. Quand les moutons se furent éloignés, elle ramassa une touffe de laine restée accrochée à un buisson et alla la porter à Aphrodite. La déesse l'accueillit avec un rire dédaigneux. Si tu es ici, ce n'est pas grâce à ta propre tête, mais grâce à celui que tu as su séduire, pour ton malheur et pour le sien. Et de colère, elle déchira la robe de la jeune princesse. Puis elle lui dit : Vois-tu cette montagne escarpée ? Escarpée, pardon, des sources descendent de son sommet jusqu'à la vallée et forment un tourbillon redoutable. Va chercher un peu d'eau de ce tourbillon et ramène-la-moi. Quand Psyché eut gravi la montagne, après de terribles efforts, elle vit des flots tumultueux qui jaillissaient d'innombrables grottes. Ses eaux faillirent la renverser. Des dragons gardaient cette source infernale. Alors,
Un aigle descendit des cieux et, par gratitude envers le dieu de l'amour, emplit une fiole qu'il donna à Psyché. La jeune princesse la rapporta aussitôt à Aphrodite. Cela fait, elle s'évanouit d'épuisement. Eros, de son côté, était complètement guéri. Il quitta son palais de bonne heure, ce matin-là, bien décidé à porter secours à celle pour qui il a éprouvé un amour brûlant. Tantôt il volait au-dessus des nuages, tantôt il marchait sur la terre, lançant ses flèches, par amusement, à ceux qu'il rencontrait. Il arriva enfin devant le trône du maître des dieux, le puissant Zeus, et il lui demanda humblement son aide. Zeus, touché par la tristesse de son visage, l'embrassa et lui dit: Mon cher enfant, je vais t'aider. Attendez, c'est Zeus. Mon cher enfant, je vais t'aider. Bien que tu m'aies souvent causé des ennuis en m'envoyant tes flèches et en me faisant agir stupidement par amour, moi, le maître du tonnerre. Ouais, enfin, Zeus, il agit bien tout seul. Il réunit tous les dieux, fit amener Psyché et il annonça: Ce jeune fou nous a assez joué de tours. Il est temps de dompter sa jeune énergie et de l'assagir par les liens du mariage. Et, afin que sa mère ne proteste pas contre son union avec une mortelle, je vais te faire boire de l'ambroisie qui te rendra immortel, Psyché, comme le sera votre mariage. On organisa une grande fête. Tout le monde but du nectar au son de la musique. Psyché, dont le nom signifie âme, put enfin sécher ses larmes. Elle donna le jour à une petite fille et vécut désormais dans la félicité. Ta-ta-ta-ta! C'est bon, c'est fini. C'était le premier conte. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ou pas. On va partir sur Lisa de Tolstoï, mais de Alexis Tolstoï. Voilà. Pas le même. Et je vois avant. Voilà. Donc, alors là, du coup, c'est trop cool, on a même une illustration en couleur. C'est trop, trop joli. Ah oui, et du coup, il y a aussi un portrait ici de Lisa. Lisa. Il était une fois un riche marchand à qui sa femme donna une fille qu'ils nommèrent Lisa. Quand la petite fille eut un peu grandi, ils eurent un garçon. Ils habitaient tous les quatre une jolie maison au bord d'un grand lac. Un jour, le marchand et sa femme durent partir en voyage. Ils appelèrent Lisa et lui dirent: Nous devons aller acheter des marchandises, Lisa. Tu veilleras sur ton frère. Aussitôt après leur départ, la petite fille assit son frère dans l'herbe, lui ramassa une brassée de fleurs pour qu'il en fasse des guirlandes, et descendit au bord du lac pour y attraper du poisson comme son père avait coutume de le faire. Le temps passa. Brusquement, Lisa se souvint de son frère et remonta en courant à l'endroit où elle l'avait laissé, mais il avait disparu. Elle aperçut simplement quelques signes qui s'éloignaient au-dessus du lac. La petite fille appela puis fondit bientôt en larmes, car elle avait compris ce qui venait de se passer. Les méchants signes avaient emporté son frère. Elle redescendit au bord de l'eau, longea la rive, appela de toutes ses forces. Au bout d'un moment, une barque arriva vers elle. C'étaient des amis qui lui demandèrent quel malheur était arrivé. Elle les pria de l'emmener jusqu'à une île, au milieu du lac, où les cygnes avaient sans doute caché le petit garçon. Ils acceptèrent. Lisa sauta dans la barque et ils se dirigèrent vers l'île. Quand ils furent assez près, l'un des amis de la petite fille sortit une longue-vue et scruta le rivage. Aucun signe du petit Gore. Il s'appelle Gore, le petit. Ils ramenèrent donc Lisa chez elle, et elle partit en courant dans la direction que les cygnes avaient empruntée. Tout à coup, elle se trouva devant un pont de bois qui enjambait une rivière. Pont de bois, dis-moi où les cygnes ont emmené mon petit frère. Je vais te le dire, mais tu dois d'abord me retourner sens dessus-dessous. Depuis le temps que je transporte des gens d'une rive à l'autre, j'ai le dos tout creusé. Pourquoi devrais-je te retourner? Répondit Lisa. Chez moi, je ne traverse que sur les ponts qui ont un parapet. Et elle poursuivit sa course. Elle rencontra ensuite un bœuf, en train de paître dans un pré. Tac, 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 pardon.
et elle lui cria de loin. « Beuh, n'as-tu pas entendu mon petit frère qui appelait dans le vent ?»« Et je sais même où les cygnes l'ont emporté. Mais commence par me conduire dans un autre pré, car j'ai brouté toute l'herbe de celui-ci. »« Pourquoi devrais-je m'occuper de toi ?» répondit Lisa. « À la maison, je m'occupe seulement des lapins angora. » Et elle courut plus loin, n'ayant toujours rien appris. Brusquement, elle arriva au bord d'une rivière de lait, dont les berges étaient en fromage blanc. Elle demanda. « Rivière de lait, berge de fromage blanc. Où les cygnes ont-ils conduit mon frère ?»« Nous te le dirons dès que tu auras bu un peu de lait, car il nous inonde. »« Pourquoi devrais-je boire le lait ?»« Alors que chez mon père, je ne mange même pas de crème fraîche. » Lisa dut donc s'élancer toute seule à travers les champs et la forêt, sans savoir où elle allait, et ce par sa propre faute. Bientôt la nuit tomba et elle aurait dû rentrer, mais elle aperçut soudain devant elle un cimetière de village. Au milieu de ce cimetière, une maisonnette, sur la maisonnette une seule fenêtre, sur la fenêtre une grille, et à travers les barreaux de la grille, son petit frère qui regardait dehors. Elle traversa le cimetière en courant, essaya d'ouvrir la porte de la maison, mais elle était verrouillée. Attendez. Excusez-moi, je vois. Donc, la porte était verrouillée. Gore, Gore, appela-t-elle. C'est moi ta sœur. Ouvre-moi afin que nous puissions rentrer chez nous, où maman nous attend. Le petit garçon courut à la porte, mais Lisa entendit des battements d'ailes et un cri de douleur. Peu après, la porte s'ouvrit d'un seul coup et les méchants cygnes s'envolèrent à tire-d'aile vers le ciel avec des sifflements hargneux. « Ils ne voulaient pas me laisser sortir et ils m'ont pincé avec leur bec, » dit l'enfant. « Mais j'ai tenu bon. » Le frère et la sœur s'embrassèrent. Puis, comme il faisait déjà nuit, Lisa dit « Il est trop tard pour rentrer à présent. Dormons ici. Demain matin, dès que le soleil se lèvera, nous nous mettrons en route. » Elle ferma la porte, tira le verrou, et chercha des yeux un endroit où ils pourraient poser leur tête. Elle aperçut deux couches recouvertes d'un drap. Ils s'allongèrent dessus, se couvrirent du drap et s'endormirent comme des marmottes, loin de songer que ces lits étaient en réalité des cercueils, et que la maison était une chambre mortuaire. Il faisait nuit noire quand une silhouette vêtue d'un linceul se présenta à la porte de la maison et voulut y entrer. Ne pouvant ouvrir, elle tenta sa chance par la fenêtre. Elle secoua la grille, qui ne bougea pas d'un pouce. Alors, elle s'allongea sur le seuil et y resta. Sur le coup de minuit, un rayon de lumière entra dans la maisonnette par la fenêtre et, brusquement, la chambre mortuaire fut illuminée comme en plein jour. Le rayon lumineux se changea en un bel ange qui se pencha sur le petit garçon et écouta sa respiration pour s'assurer qu'il dormait. Puis il s'approcha de Lisa et s'assit près d'elle, contemplant son visage endormi. Parfois, une ombre passait sur son front. Ses sourcils se crispaient. Elle devait rêver à sa première grande aventure. « Lisa, réveille-toi !» souffla l'ange. Lisa ouvrit les yeux et le regarda. « Écoute-moi bien, afin de ne plus commettre d'erreurs. » Lisa hocha la tête sans cesser de le fixer. « Lorsque tu t'éveilleras pour de bon tout à l'heure, il fera encore nuit. » Surtout, n'ouvrez pas la porte et ne sortez pas, sinon quelque chose de terrible vous arrivera. As-tu compris, Lisa ? Une nouvelle fois, Lisa hocha la tête. Elle contemplait toujours l'ange, muette. Il reprit. Attendez que le soleil se lève, que ses rayons inondent tout le cimetière et que le coq chante. Alors, vous pourrez vous en aller, ton frère et toi. Puis il redevint lumière et disparut par la fenêtre. Lisa referma les yeux et se rendormit profondément. Dès que le ciel s'éclaircit légèrement à l'est, la silhouette blanche allongée devant la porte se leva et disparut à son tour parmi les tombes. Peu après, le soleil se dessina au-dessus de l'horizon. Le coq chanta, et les deux enfants, avec lenteur et précaution,
ouvrirent la porte de la petite maison. Lisa regarda dehors, prit son frère par la main et l'entraîna le plus vite possible vers chez eux. Mais au moment précis où ils arrivaient devant les rivières de lait, ils entendirent un grand bruit d'ailes au-dessus d'eux. Les méchants cygnes les cherchaient. Lisa cria « Rivière de lait, berge de fromage blanc, cachez-nous !» La rivière lui répondit « Nous vous cacherons, à condition que vous buviez un peu de mon lait qui submerge mes rives. » Lisa et Gore avalèrent quelques gorgées. C'était un vrai délice. Puis la rivière les cacha. Les cygnes passèrent sur eux, mais ils eurent beau scruter les berges blanches, ils ne virent rien et repartirent. Les deux enfants se remirent en chemin. Ils coururent jusqu'à la prairie où le bœuf paissait, et, à cet instant, le bruit d'ailes les rattrapa. Lisa cria « Bœuf, où pouvons-nous nous cacher ?»« Je vous cacherai tous les deux, à condition que vous me conduisiez dans un autre pré, » répondit le bœuf. La petite fille attrapa une baguette et se mit à guider le bœuf. Elle venait à peine d'esquisser ce geste que son frère et elle se retrouvèrent au milieu d'un épais fourré à l'abri des cygnes. Quand le danger fut écarté, ils menèrent le bœuf jusqu'au pré voisin, puis ils repartirent en courant à perdre haleine. Pendant ce temps, dans la maison près du lac, c'était une belle panique. À leur retour, quand les parents avaient trouvé la porte ouverte et la maison vide, ils avaient couru en tous sens en appelant leurs enfants. Il fallut l'arrivée des amis de Lisa pour qu'ils comprennent ce qui s'était passé, ce que les méchants cygnes avaient fait et dans quelle direction la petite fille était partie. La mère se sentit défaillir d'angoisse, puis elle se mit à pleurer et refusa de se laisser consoler. Elle ne voulait pas manger ni dormir. Elle gardait les yeux fixés sur la porte, comme si elle espérait la voir s'ouvrir en coup de vent pour laisser passer ses enfants. Le père, lui, prit son fusil et partit à leur recherche. Le frère et la sœur couraient toujours à travers champs et forêts. Ils couraient comme des fous, mais bientôt le petit Gore dut s'arrêter. Ses jambes refusaient de le porter, il ne cessait de tomber. Il dit à sa sœur qu'il ne voulait plus aller nulle part, qu'elle n'avait qu'à le laisser pour aller prévenir leurs parents. Lisa refusa de l'abandonner une seconde fois. Elle le supplia, elle le gronda, et elle finit même par le traîner derrière elle. Longtemps après, ils atteignirent la grande prairie bordée par un fleuve. Le fleuve que traversait le pont de bois. Lisa était à bout de force. Quand elle eut réussi à amener son frère jusque-là, elle dit « Pont de bois, cher pont de bois, laisse-nous passer de l'autre côté. » Le pont de bois lui répondit « Je vous laisserai passer à condition que vous me retourniez. » Lisa tourna la planche et ils passèrent sur l'autre rive. Ils venaient à peine d'y arriver que de nouveau les battements d'ailes se firent entendre près d'eux. Les cygnes se posèrent, les frappèrent, les pincèrent et parvinrent presque à arracher le petit Gore à sa sœur. La pauvre Lisa le tenait très fort d'une main. De l'autre, elle faisait des moulinets pour écarter les oiseaux et pour appeler à l'aide. À cet instant, un coup de feu claqua, venu du bois voisin, et les cygnes s'immobilisèrent. Il y en eut un second. Cette fois-ci, les méchants oiseaux commencèrent à s'ébattre et prirent leur envol. Le marchand arrivait en courant le long du sentier. Il serra ses deux enfants dans ses bras. Et peu de temps après, ils purent embrasser leur mère qui pleurait de joie. Fin. Fin, fin, fin. Donc, fin du conte Lisa, donc russe, conte russe. Pour finir cette petite session lecture, je vous propose de vous lire... qu'est-ce que j'ai dit que je lisais ? Les sept corneilles de Monsieur Nemkova. C'est pas du tout, ça doit pas du tout se prononcer comme ça. J'en suis désolée. Les sept corneilles, c'est quelque chose qu'on a vu. On a étudié une des versions des sept corneilles avec mes élèves, mais c'est pas. Là, vous allez voir, c'est pas du tout la même pour les élèves qui regarderaient. Si j'arrive à retrouver la page. Parce que forcément. Ah, voilà. Elle est là. Donc, les sept corneilles. Et je remonte du coup la page. Donc voilà, là il y a le titre, la page. Et vous voyez le dessin. Super joli. On va voir pourquoi il y a une dame qui
écrit, etc. Alors, je bois un petit peu. Et c'est parti. Je regarde. Ah, faudra que je vous montre toutes les illustrations dans celui-ci parce qu'il est très très beau. Les sept corneilles. Je me rappelle absolument plus de l'histoire. Il était une fois une femme qui avait huit enfants, une fille et sept fils. Quand son mari mourut, la misère s'abattit sur la pauvre chaumière. La malheureuse veuve passait ses nuits à pleurer, en se demandant comment elle allait pouvoir nourrir ses enfants. Et puis, un triste jour, comme s'ils s'étaient consultés, les sept garçons vinrent supplier leur mère tour à tour, l'implorant de leur donner un croûton de pain ou même quelques miettes afin d'apaiser la faim qui les tourmentait. La pauvre veuve, au comble du désespoir, se prit la tête entre les mains et s'écria: Si seulement vous pouviez vous changer en corneille, au moins vous seriez capable de trouver vous-même de quoi vous nourrir. À l'instant même, la pièce fut emplie de claquements d'ailes et sept corneilles, aussi noires que la nuit, s'envolèrent l'une après l'autre par la fenêtre ouverte. Elles s'élancèrent droit vers le ciel avec des croassements sonores. La mère regarda disparaître ses sept fils, figée d'horreur. Puis elle s'effondra sans vie sur le sol. Il ne restait plus que la petite fille. Les yeux pleins de larmes, elle fit de son mieux pour tenter de ramener sa mère à la vie. Mais ses efforts demeurèrent vains, et elle s'élança à la poursuite de ses frères. Elle courut, courut, courut encore, ne pouvant croire qu'elle était désormais seule au monde. Il lui semblait que si elle rattrapait ses frères, si elle parvenait à leur parler, ils reprendraient leur forme humaine. Elle courut ainsi toute la journée dans la direction que les corneilles avaient prise, et poursuivit sa route même après la nuit tombée. Elle ne sentait plus son corps et une douleur atroce lui transperçait les jambes. Enfin, juste avant l'aube, elle tomba de fatigue au milieu d'une clairière. Ce fut le froid qui l'éveilla. Le froid et l'impression étrange que quelqu'un la regardait. Une belle jeune femme se tenait près d'elle, en effet, vêtue d'une longue robe bleue qui tombait jusqu'au sol. Elle portait sur la tête une couronne de gui et contemplait la petite fille avec tant de douceur que celle-ci se leva pour la saluer. Puis elle dit: Par pitié, belle dame, rendez-moi mes frères. Tu les retrouveras, répondit la jeune femme. Mais ce ne sera pas une tâche facile. Sept longues années durant, tu ne devras pas prononcer une parole. Et avant que ces 7 années se soient écoulées, tu devras tisser 7 chemises avec des chardons. Telle est la tâche que je t'impose. Là-dessus, la jeune femme s'évanouit aussi soudainement qu'elle était apparue, et la petite fille resta seule dans la forêt profonde. Elle reprit sa course et ne s'arrêta que lorsqu'elle rencontra un chêne gigantesque, aux branches énormes, dont le tronc creux pouvait l'abriter pour la nuit. Le lendemain, elle le tapissa de branchages et décida d'en faire sa maison, parce qu'elle est beaucoup plus forte que Robinson Crusoé. À dater de ce jour, elle se rendit chaque matin dans une clairière voisine pour y glaner des chardons et rentra chaque soir dans son arbre creux. Les chardons poussaient en abondance dans cette clairière. Elle les faisait tremper dans de l'eau, puis elle les battait pour en extraire les fibres. De ces fibres, elle faisait du fil, et de ce fil, du drap dont elle confectionnait les chemises. Les années passèrent et elle fabriqua une chemise après l'autre. Au bout de 6 années, elle avait cousu 6 chemises. Mais entre-temps, les épines et les ronces avaient déchiré sa robe, dont les lambeaux furent emportés à leur tour par le vent et la pluie. Et comment se procurer d'autres habits? Par bonheur, ses magnifiques cheveux blonds étaient devenus si longs qu'ils la recouvraient entièrement comme une belle robe dorée. Un jour, qu'elle était assise dans son chêne creux, à son habitude, le son d'un cor retentit dans le lointain. Ah, attendez, pardon, je ne vous ai pas montré. Magnifique illustration de la petite, enfin du coup la jeune, dans son arbre avec ses cheveux. Ah. Et elle est en train de tisser.
chardon. Et du coup, voilà. Très très bon. Donc, un jour qu'elle était assise dans son chêne creux, à son habitude, le son d'un corps retentit dans le lointain. Puis il se rapprocha encore, et un jeune roi en armure sortit soudain d'un fourré, suivi de ses hommes. Parvenu devant le grand chêne, il s'arrêta brusquement, figé d'admiration devant la beauté de la jeune fille et l'éclat resplendissant de sa chevelure. Puis il lui demanda: Où sont ta mère et ton père? Comment peuvent-ils laisser sans protection, dans cette sombre forêt, un tel joyau? Mais la jeune fille resta muette. Elle se contenta de le regarder avec amour. Le prince sauta à bas de son cheval, marcha jusqu'au chêne et lui ouvrit les bras. Viens avec moi dans mon château et sois ma femme, dit-il. Après quoi il l'aida à descendre de son arbre, l'installa sur sa selle, prit les rênes et la conduisit jusqu'à son palais. Là, des femmes la vêtirent d'atours royaux, de bijoux splendides, et le mariage fut célébré en grande pompe. Les deux époux vécurent donc dans le palais royal. Bien que la jeune reine ne prononçât jamais un mot, elle sut se rallier tous les cœurs. Celui de son mari, bien sûr, mais aussi celui de tous leurs sujets, même les plus simples. Car elle parcourit le royaume en tous sens, aux côtés du roi, pour secourir les pauvres et les miséreux. Elle aidait surtout les enfants qui souffraient de la faim, du froid, ou que la maladie accablait. Dans le pays tout entier, on chantait les louanges de la bonne reine muette. Mais elle, de son côté, gardait son secret enfoui au fond de son cœur. Elle conservait précieusement, au fond d'un coffre, les 6 chemises qu'elle avait déjà tissées. Et, les soirs de pleine lune, elle s'installait près de sa fenêtre pour tisser la 7e. Car cela faisait bientôt 7 ans que ses frères s'étaient changés en corneilles. Pourtant, la jeune reine devait subir encore une épreuve bien cruelle. Son époux et elle-même désiraient ardemment être parents. Ce jour béni arriva enfin, et le couple royal eut non pas un, mais 2 fils magnifiques. Leur mère les serra dans ses bras, au comble de leur joie. Il se produisit alors une chose épouvantable. Alors que la nourrice les plongeait dans l'eau pour leur donner leur premier bain, on entendit des croassements, des cris rauques, puis 2 jeunes corneilles s'échappèrent du bain et s'élancèrent par la fenêtre. Elles disparurent bientôt à l'horizon. La jeune reine allait crier de douleur, mais la belle femme, qui lui était apparue dans la forêt, descendit du ciel et vint placer un doigt sur ses lèvres pour lui rappeler la promesse qu'elle avait faite 7 ans plus tôt. La malheureuse mère domina son chagrin et réussit à ne pas crier, mais des torrents de larmes lui roulaient des joues. Alors la femme de la forêt s'évanouit de nouveau, sans que personne d'autre que la reine ne l'ait vue. Bien sûr, la disparition des jeunes princes mit tout le palais en émoi. Les dames de la cour échangeaient des murmures calomnieux contre la reine, et les conseillers déclarèrent que c'était une sorcière. Les récents événements l'avaient prouvé. Le chef de la justice convoqua donc un tribunal, et l'on décida que la reine serait brûlée. En attendant, elle fut ligotée et enfermée dans un cachot. Quand le roi allait la voir, ils versaient ensemble des larmes amères. Mais le souverain ne pouvait rien contre la décision du tribunal. Oh, c'est bien ça. Aussi, dès que la reine se retrouvait seule, elle tirait de sous sa robe la 7e chemise et tissait sans relâche, car la fin de la 7e année approchait, et avec elle, le moment où la jeune reine serait déliée de son serment envers la reine de la forêt. Envers la dame de la forêt, pas la reine. La nouvelle de l'emprisonnement de la reine ne tarda pas à se répandre à travers tout le royaume. Tous les pauvres et les miséreux qu'elle avait jadis secourus prirent son parti et refusèrent de croire qu'elle était sorcière. Ils dirent à tous combien elle avait été bonne avec eux et quel amour pour son prochain brillait dans ses yeux. Et pourtant, disait-il, elle savait bien que nous ne pourrions jamais lui rendre ses bienfaits, que nous n'avions rien à lui offrir en échange. Mais que pouvaient ces malheureux contre les riches et les puissants? Et les ennemis de la reine, un jour, fixèrent la date de son exécution. Le destin voulut que ce fût le jour exact où prenait fin le délai de 7 ans. Alors, je vous montre là. Vous allez peut-être pas voir grand chose, mais on a la reine ici. On peut crier, mais on a la dame de la forêt qui lui dit non, chut. Et puis là, on a les corneilles qui s'envolent.
Les petits bébés corneilles. Les pauvres. De bonne heure ce matin-là, la reine termina la septième chemise. Peu après, la voix des intrigants retentit au dehors et la porte de sa cellule s'ouvrit en coup de vent. Avec brutalité, on lui lia les mains et on la tira de sa prison. Quand elle se retrouva en plein air après si longtemps, quand elle aperçut la foule immense assemblée et tous ses regards muets fixés sur elle, quand elle songea enfin au sort terrible qui l'attendait, la jeune reine se sentit faiblir et tomba. La jeune reine se sentit faiblir et tomba à genoux. Elle voulut implorer la pitié de tous ces gens, mais à cet instant précis, la dame de la forêt reparut. Elle tenait à la main un sablier dans lequel il ne restait plus que quelques grains de sable. Dès qu'il serait tombé, la longue épreuve de la reine prendrait fin. Alors, rassemblant ses forces, celle-ci se remit péniblement sur pied et traversa la foule au bout d'une corde que tiraient ses bourreaux. Elle atteignit le bûcher, monta sur le bois entassé, et quelques hommes approchèrent avec des torches enflammées pour allumer le feu dans le sens du vent. La reine leva les yeux et regarda au loin, vers la forêt profonde, espérant apercevoir ses sept frères et ses deux fils changés en corneilles, espérant aussi que la dame de la forêt était partie à leur recherche, pour leur annoncer que l'heure de leur délivrance approchait. Mais les flammes léchaient déjà les bûches, et un frémissement d'horreur parcourut la foule. Soudain, ce murmure fut couvert par un grondement lointain. On reconnut bientôt un bruit de sabots sur la pierre, le hennissement de fiers destriers lancés au grand galop et un cliquetis d'armes. Sept cavaliers se précipitèrent vers le bûcher et bondirent à terre. Puis ils accoururent vers la reine et lui crièrent « Merci, chère sœur, de nous avoir délivrés. Grâce à toi, nous sommes sauvés. » Le peuple, entendant cela, s'en prit au traître, piétina le bûcher pour l'éteindre et acclama sa reine saine et sauve. On entendit alors une sorte de bourdonnement et la dame de la forêt descendit des airs. Elle se posa près de la reine et lui mit dans ses bras ses deux fils, qui sourirent à leur mère en gazouillant de joie. À dater de ce moment, aucune ombre ne vint plus entacher leur bonheur. Les deux garçons grandirent en force et en beauté, et le roi fit bâtir sept châteaux sur sept collines pour que les sept frères de son épouse aient chacun une demeure. Fin. Voilà, donc c'était trois contes tirés de ce recueil de contes dont la version française a été écrite par Marie-Josée Lamorlette. Donc c'est Contes des Monts et Merveilles aux éditions Grund. Je vous ai lu Eros et Psyché, donc tiré d'un conte d'Apulée. Je vous ai lu Lisa, tiré d'un conte de Alexis Tolstoï. Et je vous ai lu un conte tiré des Sept Corneilles de Monsieur Nemkova. Et je suis sûre que je ne prononce absolument pas de la bonne façon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Si vous avez des idées pour les prochaines lectures, n'hésitez pas aussi. Alors la semaine prochaine, ce sera certainement encore une fois des contes, mais pour la semaine d'encore après, si vous voulez proposer des choses, pas de souci. J'ai quelques idées, mais je suis prête à entendre toutes les propositions. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée ou autre, selon quand est-ce que vous m'écoutez. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et du coup, à la prochaine. Au revoir.